الأدب، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيسير الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec les premières bases fondamentales que Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dépose concernant ça et ses livres qui connaissent à l'usul al-sitta, dépose concernant six bases fondamentales qu'il a dans sa livre et qu'il crée dans le Coran, mais qu'il en a beaucoup mal, qui ont du mal au Coran. Sa six bases-là. Le premier, les causes concernant la sincérité, les causes concernant la tawhid, et c'est une explication qui nous vient déjà commencer la semaine dernière. Et Inch'Allah, nous pouvons faire explication au commencement de tous les dés, de ces deux sujets-là, concernant l'Aqida et Fiqh, et à la fin, vite qu'il finira certaines prières qui se disent à ce qu'il y a une difficulté, où je prends notes. Alors, Inch'Allah, à la fin, quand on peut finir avec explication, les larmes vont pouvoir écrire point important qui vous fait expliquer, le tableau, où ça va le faire, qui va finir ici écrire, vous êtes capable d'écrire ça va être notes là. Et quant à madame, je prends lien avec eux. Mahram qui vient parmi ma mission, si vous êtes là, et Mahram pour ceux qui viennent présents parmi ma mission, je prends lien avec elle parmi madame même en bas. Sa première base là, c'est l'Ikhlas Soudini Lillahi Ta'ala. C'est la sincérité dans dire Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et la semaine dernière, on explique comment nous, sincères envers Allah Rabbul Alameen, c'est nous adosis Allah. Nous n'avons pas adoré un autre avant Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous pas adoré Allah et nous adoré un autre ensemble avec Allah. Ça aussi c'est chir. Et troisième, nous disons, quand nous faisons ibadat, maintenant récompenser ça avec Allah. Nous n'avons pas fait ibadat pour nous gagner récompense avec une sens pareil comme à nous. Par exemple, pour nous gagner titre, pour nous gagner rôle, pour nous gagner grandir. Et nous pas faire bonne action. Si quatrième, nous pas faire bonne action pour nous gagner dunya. Nous pas faire bonne action. Et l'objectif c'est pour nous faire de l'argent, pour nous gagner richesse, et nous ne pouvons pas faire ça pour l'avenir. Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit « Ikhlas al-Din lillahi ta'ala, wahdahu la sharika la ». Et ça c'est la sincérité d'Adin, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous faire ibadatis pour Allah, ensuite « wahdahu la sharika la ». Qui veut dire « wahdahu » Allah il est Dini, la sharika la, il n'y a aucun associé. Et cette phrase-là, et dans l'idée, kalimat tawhid, nous disons, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et cette phrase-là, Cheikh Mohammed, bin Abdel Wahhab, rahimahullah, il dit, wahdahu, d'Allah il est, la sharika la, il n'y a aucun associé. Ça, c'est des piliers dans nos sincérités. Ça c'est les deux piliers dans nos sincérités. Nous ne sommes pas capables d'être sincères
avec Allah subhanahu wa ta'ala aussi longtemps qui nous n'a pas adoré aussi Allah et nous réserve ban les autres adorations apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a deux piliers là, les deux piliers de la sincérité et les deux piliers d'Alima la ilaha illallah. Qui fait? Parce que sa phrase là, la ilaha illallah, est là, l'affirmation et la négation. Dans le cas du tawhid, la ilaha illallah, on vient wahdahu, la sharika la, qui est bien fait, la ilaha illallah, dans tous les dits, dans la ilaha illallah, et là, l'affirmation et la négation, dans wahdahu, la sharika la, et là, l'affirmation et la négation. Et maintenant, on va dire ça, c'est des piliers du kalimat du tawhid, des piliers de la sincérité. Qui fait? Parce que, pour nous faire, une puissance, mais elle nous oblige dans une phrase, oblige et dans la négation et l'affirmation. Si elle existe affirmation, nous ne pas comprendre qu'elle existe elle, et si elle a la négation, tout seul, nous n'avons pas comprendre qu'elle existe elle. Nous prenons l'exemple. Pour nous plus comprendre. Si vous dire Mohamed Damassi, si vous dire Mohamed Damassi, est-ce que ça veut dire que Mohamed tout seul Damassi? Pour sa phrase, on ne peut pas comprendre que Mohamed tout seul Damassi. Mohamed Damassi, on vient envoyer un mot concernant Mohamed, vous dire Mohamed Damassi. L'impossible que Damassi, il n'a pas dit si vous. Il a Khalid, il a Abbas, il a Mani, mais je dis vous. Sa phrase, ça veut nous comprendre par ça qui est l'insiste Mohamed qui l'a massé. De la même façon, si je dis Mohamed pas d'amas. Mohamed pas d'amas. Est-ce que nous comprenons par ça qui existe Mohamed tout seul qui pas d'amas? Ça aussi, non. Ou bien on vient avant de penser à Mohamed. Il est possible qu'il y ait des autres. À part Mohamed, je n'ai pas d'amas. Mais quand on dit, mais la personne d'Amassif excepté Mohamed. Vous dire, mais la personne d'Amassif excepté Mohamed. Mais là, nous ne pouvons pas dire, d'Amassif et Nazis Mohamed. D'Amassif et Nazis Mohamed. Qui veut? Parce que dans la phrase qui m'ont servi, il y a la négation et l'affirmation. Mais la personne, c'est négation. Mais la personne d'Amassif, c'est négation, excepté Mohamed. Mon mot bien fermé qui est Mohamed Damassi. Dans n'importe quelle phrase, vous pourrez marquer par le frère et la sœur, et là, la négation et l'affirmation, les là qui nous comprend, oui, et là, ici. Mais aussi, longtemps qu'il y a une phrase et dans cette affirmation, nous ne pas comprendre qu'il y ait, et dans cette négation, nous ne pas comprendre qu'il y ait. Au sein de Allah subhanahu wa ta'ala, dans les causes concernant, elle a sa phrase qui représente, nous dit là. Sa phrase qui représente, nous dit, la ilaha illallah. C'est sa même base de l'islam. C'est sa même phrase qui est plus importante dans nos dîmes et plus importante pour les musulmans. Sa phrase, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait aller d'une façon qui est là, la négation et l'affirmation. C'est pour nous comprendre qu'il existe Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite donc adoration. Vous savez, c'est la ilaha illallah. Mais il n'a aucun ilaha. Et qui veut dire ilaha? Ilah, c'est celui qui est adoré. Celui qui est adoré. Les mots ilah dans la langue arabe, c'est celui qui est adoré. Il y a un mot qui est adoré, le salat de l'homme appelé un ilah. Ça veut dire ilah, il n'y a pas six poils dans ça. Il y a un mot qui est adoré, le salat de l'homme appelé ilah. À cause de ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait d'avoir avec le kuffar Makka, il fait des autres comme ça, la ilaha illallah. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أكسبت لا إله إلا الله في رأسي. الله سبحانه وتعالى جاءك وسنا بنا القرآن بنا جابك الكوفي. أجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. إسكين وفيك توسى من إله لا. إسكين وفيك توسى من إله لا بدل سيد إله. بس كيف تكمبوز وكيف يجي لا إله إلا الله. تكمبوز سيزو تكسبتي. كلمة لا إله إلا الله توسى من إدول كنا نكابر بزاكاز. Cette phrase. Et si ça l'a mérité d'adoration, parce qu'il faut en même dire ça, la ilaha illallah. Peine à aucun ilah, et peine à aucun vrai ilah. Faux ilah, il y a beaucoup ça. Faux ilah, et tout ce qui peut être adoré, l'eau, la terre, à part Allah, c'est pas le faux ilah. Les vrais ilah, c'est si ça l'a subhanahu wa ta'ala. Vous savez, on va dire la ilaha
بينهن vrai ila la ma'bouda bihaq bina personne qui mérite une vraie adoration illa Allah excepté Allah. Et tout ila qui existe au sol à terre c'est pas le fausse ila qui est ceux qui n'ont pas mérité adoration c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite nos adorations et même ça fait wahdahu la sharika Allah subhanahu wa ta'ala la sa phrase là la ilaha illa Allah wahdahu la sharika là il y a fait une première là. Parce qu'il a déjà lancé dans l'affirmation et négation. Wahdahu, Allah l'aïni, la sharika la libéra aucun associé. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il pense à l'aide pour montrer nous qui nous visait faire ibadat. Si c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour Allah, pour la personne qui mérite nous ibadat. A cause de Cheikh Fawzan, Cheikh Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, il dit, wal ikhlas ou ma'anahu, il dit, ikhlas, la sincérité. Qui, sa signification, c'est terre au ciel, c'est abandonner l'association, il n'y a pas d'autre à l'association, wa ifradullahi jalla wa ala bil ibada, et nous fait ibada, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, wa la ahadun yastahiqul ibadata mahma balaga min al kamari wa min al fadli illa Allah. Il dit, il y a une personne qui mérite ibada, il y a une personne qui mérite l'adoration. N'importe qui faveur n'est capable d'atteindre. N'importe qui qualité de perfection n'est capable d'atteindre. Mais la personne qui mérite l'ibadah d'accepter Allah. Il dit l'al-malaïka tout le muqarrab. L'Iban, ange qui pose avec Allah, voilà l'anbiya et le rasoul. Et l'Iban, prophète, l'Iban, messager. L'Iban, ange, vraiment, je pose avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et par le prophète aussi, ils ont bien posé avec elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir parmi les insans pour lui faire la vie prophète. Mais malgré ce fil interne, ça dégré là, ce fil guère la prophétie, ce fil vite prophète, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir un pour donner ce que ça, à aucun moment je ne peux pas mériter. Et bien, je reste toujours quêté, je reste toujours un esclave pour Allah. N'importe qui degré sont capables d'atteindre, n'importe qui fait vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers aux autres, à aucun moment, ce n'est pas pour une créature, ce qu'on a vu d'un même niveau avec Allah. Tous les temps, le prince en bas, Allah subhanahu wa ta'ala pour l'âme. Parce qu'il y a une différence entre créature et créature. Et ça, dans une classe même, c'est comme ça. Par exemple, un professeur, il a un bon élève. N'importe qui résultat sans élève, il peut gagner. Il brise toujours un élève. Professeur, professeur. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il fait faveur. Lorsque l'on va le créateur, parmi, il y a parmi ans, il y a parmi les sages qui le font, le prophète, mais quand il y a un frère et un soeur qui le font, à aucun moment, ça va le créateur, là, je ne parle pas d'un niveau créateur. Il y a une personne qui va dire, il fait ibadah, il fait ibadah, il fait ibadah, c'est qu'il lui donne même avec Allah. Pas existe. Et il dit, voilà l'aulia, voilà l'aulia. Et il va l'aulia Allah, et il va l'aulia. Tout cela va mériter l'Ibah, l'Ibahat, pour nous m'appeler à vous. Il dit, « Wa bayan wa muddihi alladhi huwa shirku billah » Il dit, la première base, c'est la sincérité et Allah subhanahu wa ta'ala fait éclaircir dans le Coran sur les contraires. Qui sont contraires, c'est shirku billah, faire shirku avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui veut dire shirku? Shirku, c'est nous prendre un. Parmi une forme de l'Ibahat, nous donne ça et l'autre apporte Allah à ce moment. C'est nos prahènes. Parmi les formes des ibadat qui est là, c'est pas l'ibadat qui existe en plusieurs formes, mais le Seigneur est important là, subhanahu wa ta'ala. Il dit, « Wa kawdu akhtar al-Qur'an fi bayani hadha al-asli min wuzuhin shahda bi kalamin yafhamuhu abladul amma. » Il dit, « Le Qur'an, combien ? Une grande partie du Qur'an, mais vient expliquer sa première base fondamentale là, et dans différentes façons. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause concernant l'importance de l'Ohid. Et il fait avec nous qu'on cherche dans le Coran, dans plusieurs façons. Et par la phrase, c'est un calame, il y a un calame, nous abladou l'âme. C'est-à-dire, par la phrase qui est un dimon saint, qui paie la connaissance. Un dimon saint, qui paie la même connaissance, il faut comprendre. Et c'est le Coran, il médite le Coran, il faut comprendre qu'il existe Allah qui mérite nos ibadat. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala, puis la personne qui mérite nos ibadah.
Il fait parce qu'il s'est dit créé Adam, il crée le Coran. Et quand il peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il fait éclaircir sa première base fondamentale de différentes façons. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que le Coran en entier c'est Tawhid. Le Coran en entier cause concernant Tawhid. Et ça montre nous l'importance de Tawhid. Et vraiment, si nous réfléchissons, on peut expliquer comment dire le Coran en entier c'est Tawhid. Si nous réfléchissons, plus grand surah du Coran cause concernant Tawhid. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم جسكا سولا في إسا إن شاء الله دا ليس تفصيل بوز بوسيرا ساكا نوفا تفصيل سورة فاتحة سورة فاتحة أنا أتي سي توحيد في كما سورة تليك آيات كنا نقولان آيات الكرسي بوز بوسيرا توحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال بكم أصوى جسكا فينيشون بوز بوسيرا توحيد Première surah du Coran, Tawhid. Dernière surah du Coran, Tawhid. Six surah du Coran, mais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à l'égal un tiers Coran, cause concernant qui était. Sur le même surah de l'Ikhlas, cause concernant Tawhid. Première lune, dans le subhanahu wa ta'ala, donné dans le Coran, Ya ayyuhannas, su'budu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum. Le Coran et commençons à nous lire la Surah Baqara, première lune. Parmi tous ces valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner dans le Coran, le premier commandement qu'Allah fait donner, c'est Tawhid. Oh, ben, dis-moi, à deux autres, c'est lui qui me crée, c'est lui qui me crée, qui avance. Et premier empêchement du Coran, c'est Shirk. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit après, Fala taj'alou lillahi andalan, wa antum ta'alan. N'a pas mes bandes égales ensemble avec Allah et qui sont la connaissance. Premier lot d'un Coran, c'est Tawhid. Premier empêchement d'un Coran, c'est Shirk. Ça. Et montrez-nous que vraiment, ce Coran-là, fait de l'importance Tawhid. Et nous, quand il y a un Coran, on a dit que le Coran a lancé Tawhid. Il dit à qui va dire, parce que quand nous retournons vers le Coran, quand nous étudions le Coran, dans le Coran, soit Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner nous pour nous faire son ibad. Soit Allah peut ordonner nous pour nous faire son ibad. Soit il peut empêcher nous pour nous faire chier. Soit il peut empêcher nous pour nous faire chier. Soit il peut cause concernant la récompense des bannes qui ne réalisent pas. Jannat. Le Coran a la cause concernant la récompense. Qui bannent ça? Bannes qui ne réalisent pas. Parce qu'il ne pourra pas garder Jannat sans qu'on bannes réalisent pas. Miftah ou Jannat, il a ilaha illallah. Tout ayatollah qui cause concernant la récompense. Connaissez, fait cause concernant la récompense des bâtiments qui signifient le Tawhid. Wadiaza Ahnesh. Des causes concernant la punition des bâtiments qui fâchent. Et tout va de punition. C'est punition, bâtiments qui fâchent. L'idée soit dans le Coran, rien ne veut dire. Le Coran soit là. L'autre, Wadou Allah. Empêchement pour fâcher. Récompense, bâtiments qui réalisent Tawhid. Punition, bâtiments qui fâchent. Les bâtiments qui réalisent Tawhid. Ou bien dans le Coran, mais cause contre le halal et haram. Et ça veut dire, c'est pas qu'il y a un droit de Tawhid. Comment il y a un droit de Tawhid? Parce que tout ça va de la loi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un halal haram qui peut causer dans le Coran. Qui s'annule qui peut soumettre devant sa loi. C'est celui qui peut réaliser ça. Si un diable n'est pas pour prendre l'importance de Tawhid, il n'est pas pour prendre compte, ça va les autres ibadah. Parce qu'il n'est pas seul, il va prendre compte. Il n'est pas pour prendre compte. Mais quelque chose qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs même, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa bil walidayn ihsana. Ah, si il y a bien, on ne résulte pas. Ah, si il y a bien, on ne résulte pas. Il n'y a aucune relation. Si nous sommes bien avec toi, avec ta vie. Une relation directe, si vous êtes, il n'y a aucune. Relation avec Tawhid, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala fait le jeu pour se prêter une amanat à celui qui confie toute sa amanat. Donc, c'est ça, le au-delà. Et puis, il n'y a aucune relation directe avec Tawhid. Mais il dit c'est pas un droit de Tawhid qui vient. Qui s'en est là qui nous raconte ça, la loi là. C'est pour dire qu'il peut réaliser Tawhid. Un qui connaît Allah bien. Un qui connaît qu'il nous a adoré Allah. Et ça, il faut en partie.
dans l'adoration à Allah, dans l'ibadat à Allah, nous disons Abaye. Et c'est pour ça que je vois la même, mes frères et mes sœurs, on trouve qu'il est vraiment parlons d'Allah, multiplie par contre l'eau d'Allah, multiplie par contre l'eau d'Allah qui va. Pour me dire qu'il par contre l'eau d'Allah, ça va contre lui. Pour lui dire, Zis, Yabou Nabi, Ourous, ça va être solide. Devant l'occasion, finalement, mais si finalement, si les états loin, ils vont prendre compte. Il va prendre compte halal, il va prendre compte haram, il va prendre compte amanat, il va prendre compte bizarre. Si papa dit avec l'intérêt, jusqu'à dès le jour même, Mouftien, Pélo le Fatwa, qui va prendre l'intérêt. Et c'est moi qui t'appelle, il va être l'autre, il va être l'autre. Donc, ça, il comprend, ça va être une précaution. C'est là qu'il prend compte, ça va être la loi. C'est elle qui réalise ça. Vous savez, Ibn Qayyim disait ça aussi. Le Coran entier, c'est dans le même pas de la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran, c'est par un endroit de Tawhid. Et c'est là qu'il faut mettre ça en pratique, c'est elle qui peut réaliser ça. Combien dans le Coran, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une cause concernant la vie de le prophète. Comment ça va le prophète là, fait faire d'abord. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait une cause concernant son adversaire. Votre adversaire qui était. C'est mal qui est fait chier. Nous comptons très bien. Dans le peuple avant, chaque prophète, c'est un problème. Chaque prophète, c'est un problème. Par exemple, l'autre, alayhi salam, dans l'époque, c'est là, homosexuel. Shu'aib, alayhi salam, dans son époque, maintenant, c'est pour qu'un bal. On y a. Moussa alayhi salam de son époque de la sorcière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a les causes d'Awa de Ban Prophet. Qui est-ce chose qui définit pour nous et la priorité dans une Dawa? C'est Tawhid. Il dit wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Il dit certainement au final de chaque peuple un rasoul, un messager qui lui invite l'adoration à Allah et lui. Invite ce peuple pour recevoir les Tawhid, et Tawhid c'est tout ce qui est adoré avant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, par exemple, dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Certainement, nous finissons avec nous, bien ce peuple, alors il dit oh mon peuple, allons-y, Allah, qui te tient, je promène les autres, il a apporté Allah. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. Et vers فبعدنا من أبائه قفت هود عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا إن زعوا مباب هذا وزي سالا كيزو تيزو قليزو كلا وإلى ثمود أخاهم صالحا إذا بب ثمود في نبائه صالح عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أو مباب هذا وزي سالا كيزو تيزو قليزو كلا فوت الله وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذا مدين في نواب قفت شعيب عليه السلام. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومباب أدوسي صلى الله عليه وسلم يزر قائلوا إلى عباد الله سبحانه وتعالى. الشاق قفت سيسر جفن يقام بشو قصفا. يا الله عز وجل قال بغا قوتنا. لا بي دي سيوان قفت لا. هل أنا لسيب الفريع. هل بي اكسيتين وما قول الله. سي dispute principale entre le prophète et le peuple, c'est concernant l'adoration à Allah. Adorez Allah, adorez les autres apportent Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui vient créer dans le Coran. C'est dans sa façon Allah, c'est dans le dispute concernant le tawhid du Coran. Ensuite, c'est Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, wa ta'ala, il dit Thumma lamma sara ala akthar al-ummati ma sara. Il dit quand il arrive, ce qui vient arriver aux majorités membres de sa roumette-là, Abhar lahum al-shaytan al-ikhlasa fi surati tanakus al-salihin wa al-taqsir fi hukukin. Qui est arrivé? Il est arrivé quand il arrive à sa roumette-là, ou bien quand il arrive, majorité membres de sa roumette-là, ce qui vient arriver, shaytan fin présent à sa mantimoun-là, Shaitan fait présent à Sabal Jimunla, la sincérité, c'est quoi? Pour Sabal Jimunla, la sincérité, c'est Ado Bal Jimunla.
Et pour ça, ce monde-là, c'est lui qui sincère, vraiment, et il y a aussi Allah, je dis qui s'abat là, les balles qui sincère vraiment envers la paix aussi Allah, c'est trop. Fait faire ce croix, les balles qui perdent aussi Allah, les balles qui perdent aussi mon pied, je dis les balles qui perdent aussi Allah, je dis ça va là, c'est balles qui pas qu'on balaye, balles mon pied. C'est mal qui pas compte à mon pied, c'est mal qui vient citer à mon pied. Et pour Banda, c'est lui qui compte valer à mon pied, à mon sol et pied. Qui bat, c'est celui qui peut penser comme associé à bord, à l'as. C'est toi qui fais ce trou. Tawhid, pour Banda, Tawhid, c'est faire ibadat pour mon pied. Shirk, c'est faire ibadat 6 points. Il y a une vie à ça pour ça. Et vraiment, il est comme ça. Vraiment, il est comme ça pour ça. Pour ça, nous entendons. Nous ne pouvons plus empêcher ça, les mondes. Qui veut? Parce que nous allons aussi ça. Je suis dans l'Amérique qui veut, parce que je perds mon mot à bord à l'âge. Et je proclame ça. Je dis ça. À cause de ça, je taxe. Je taxe nos Wahhabis par exemple. Parce qu'il y a qui d'avoir chez Mohammed, bin Abdel Wahhab, Rahimahullah, ou d'avoir fait le faire. Qui d'avoir le faire? L'île montre à Manjimoun que la sincérité, ce n'est pas à d'autres Jimoun, la sincérité, c'est à d'autres Sadla. Et Chir, c'est à d'autres Jimoun. Mais comme la majorité de Jimoun vient de comprendre, chaque fois, vient de vivre ça pour eux. Vient de comprendre ça en l'envers. Finalement, ce taxe l'île qui soi-disant l'île. Et tout le monde qui perd aussi ça là, c'est le monde qui part contre le monde. En vérité, mon frère, et ma soeur, il est important aussi pour nous connaître qui perd la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Ben nous allons au sac, au salat, il est là. Il est là, il est au salat, il est là. Mais si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mérité nos adorations, mais c'est là qui mérite nos adorations à porter. Si nous avons la vie, le sahaba, il est là, 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 Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il n'importe qui sallam. Est-ce qu'il y a un sahaba après la mort de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah finit un vote libre à part Allah, ça existe. Pour commencer, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, bien sûr, il a dit ça. Allez réfléchir au bandoua, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit demander, c'est bandoua qui fait ça avec Allah. Et bien, le sahaba après, il finit faire ça avec Allah. Bien sûr, pourtant, son kabab tida Madina. Son kabab tida Madina. Mais la personne qui n'a elle à part Allah subhanahu wa ta'ala, bien notre kabab des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous demande avec toi, bien que je demande avec Allah. Au contraire, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans son époque, tu es dans la sécheresse. Yalgit al-Abbas, chacha des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est encore vivant. Il dit, oh al-Abbas, nous tenons l'habitude, quand tu es dans la sécheresse, pour nous demander, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait un doigt pour la pluton. Quand ça, quand tu es vivant. Et à ce terme, nous peut demander toi pour te faire un doigt pour te faire la pluton. Est-ce que Omar ibn al-Khattab, les participants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khalifa à l'époque là. Et il a dit, à part les prophètes la même. Si les types vous permettent vraiment, vous demandez avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son kabab. Est-ce que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est lui qui compte à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il nous, et il y a deuxième position sur l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est deuxième. C'est-à-dire, premier, c'est Abu Bakr qui fait plus compte à le prophète, deuxième, c'est Omar qui fait plus compte à le prophète. Mais la personne qui compte à le prophète, plus qu'il y a Abu Bakr, plus qu'il y a Omar. Tout le monde sera qui vient après ça. Je vous dis, nous sommes capables de nous voir qu'à des clans qui nous comptent les prophètes sur le dos, qu'on allait ensemble. Qu'est-ce qu'il y a pour pas? Qu'est-ce qu'il y a pour pas? Et si on m'a dit que le Khattab, dans son époque, quand il est là, c'est ce qu'il n'est pas capable de les prophètes, pour dire déjà avec les prophètes, oh prophète, dis à Allah, fais la pluton. Ou bien il a dit avec le prophète, oh prophète de la capacité, toi, fais la pluton. Ni elle, ni le plus. Ni nous n'en demandons avec les prophètes direct, ni nous n'en disons les prophètes demandent avec Allah. Parce que tous les décès chers,
Et ça va là, mon frère. Et ma soeur qui est là, qui est commandé subhanahu wa ta'ala pour que soit passé ce qu'Allah qui est sous. Pas qu'il ne voit devant qui sont pas. Vous voyez, donc qui. Maintenant, je bien restreint ça, je dois. Vous voyez, qui vient nous. Nous l'avons dit, mais qui était qui nous fait. Demande Allah, toi. Allah, quand il m'a dit, il est un qui est un pote qui passe. Ben là, non. Parce qu'il business ça. Parce qu'il business ça. On va pas demander à accepter qu'on va aller. Wali. Sinon, Wali, là, on va accepter. On doit aller. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dit, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb. Quand vous m'avez dit, demande à vous, salamant, vous bien. Allah, il est prêt avec vous. N'importe quand. N'importe qui est là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla dit supposé pour répondre à nous. Mais maintenant, nous, vous demandons à supposé à côté de Wali de la demande. Aussi, nous, on ne t'inquiète pas à côté de Wali, pas qu'à demander. Maintenant, si vous ne payez pas ça, dépense le truc pour le côté pire pour demander à Wali. Et c'est quand même, il y a un petit qui. Et le vrai pire, il y en a des quelques pires. Pire vivant, pire mort. Vous voulez dire, existe. Pour battre là. Et du monde, pire existe, mais là, pire vivant. Mais là, du monde, il y a d'autres pire vivant aussi. Là, quand on parle, fait un doigt, bizarre, alcool. Pire, il y a la pire là de la permission, il y a la qui demande. Demande là avec lui là aussi. Une fois, il y a une personne qui s'habitue à alcool pire, pour demander. Il peut voyager, quoi il faut faire? Il est là pour voyager, quoi il faut faire? Voilà, voyage, quoi il faut demander? Vous avez pas permis ça avec pire? Alors, pire vivant, vous n'allez pas gagner un cas, vous donnez une photo, mais ça va, c'est ça. Vous donnez une photo, quand tu es là pour demander, tu tiens la photo là, tu regardes moi, il y a un demande. Ça, qualité, c'est ça. Donc, quand tu es là pour demander, tu demandes avec Allah, ensemble. Et Cheikh Mohammed bin Abdullah, il pose pour ça dans en quoi, après qui différence il y a entre Wali Allah, le vrai Wali Allah et Manwali Cheikh. Et il y a pourtant, par le faire, pour nous connaître aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, ça a argument là. De nos jours, il y a un argument qui se servit. Il dit non, nous ne sommes pas ados, nous ne pas demander toi avec eux, nous demandons eux pour demander Allah pour nous. Tout est nécessaire, ça fait la différence. Mais soi-disant, quand j'étais à sa pierre là, il y a le pied, il y a le pied du pied. Je trouve qu'à demander avec Allah direct. Quand je trouve, demande pierre là pour demander ça pour eux, il y a Allah pour plier et répondre. Et ça fait là aucun Coran qui a l'air dire ça. Allah dit Waïda Sala Karibadi, Anni Fanni Pare. Au prophète, quand mon esclave devant toi pour ses amants, vous priez vous. Vous priez vous. Dieu vous dawa tada, il va dire, vous répondez la paix des banques qui vous. Et vous savez, Allah dit, « Wa qala rabbukum udhuni astajib lakum. » Ce drap vient avec moi, vous répondez. Ce drap vient avec moi, vous répondez. Ça, argument là, quand on retourne vers le Coran, même argument qui confère ma carte initiale avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je vous dis, man, qui ne peut pas se faire, dit mon mot, vous demandez avec Allah, même un petit peu à l'eau d'Arga, même argument sur le Christian. A cause de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahab, Rahimahullah, il y a une chose qui vient éclairer ça. Il y a une chose qui vient éclairer le Coran, même un petit monde simple, qui peine à pour comprendre beaucoup les choses, pour comprendre si pas beaucoup de choses, pour aller comprendre ça en détail. Vous voyez, il y a une connaissance d'ordine. Par exemple, chapitre 54, par exemple. Il y a, oui, il y a certaines séfons pour faire pour comprendre. Il y a certaines éléments pour faire pour comprendre. Certaines masalas, comme ça, il y a des gens. Mais ça va être sur la clé, ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on s'en a pour faire marqué. Wa ya'abuduna min dounillahi. Ma la yalfa'ahum wa la yadurum. Allah dit maintenant à nous, apporte Allah. Ce qui n'est profite, ni apporte ce titre. Ensuite, je dis, wa ya'abuduna ha'ulahi shufa'ahuna. Et je dis, ça va là. C'est le bon intercesseur pour Allah. Même au Dieu. Dans l'autre ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Allah, « Ma na'abudum illa liyukarribuna
إلى الله سلفا. ولكن هنا بقى دوس أبلا نكسبتك بلغة حسوة بك الله سبحانه وتعالى. جل سبحانه وتعالى في نفسه في أمله توحيد جل رب العالمين جدن من الشمال والأساس السي سيكي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أمريكا من باز هنا مونتال يوم ارتبال فيا كونسنا توحيد لبا فيا هو أن l'aspect bien important pour ça, d'ordre, c'est nous expliquer des sommets. Mais ça, c'est un livre qui nous explique, nous faire après. Et connaître qui cherche Mohammed bin Abdel Wahab, Rahimahullah, on a l'air de finir un livre qui d'abord, d'ordre. Et un livre qu'Inch'Allah nous fait aller après. Et ça, c'est vraiment les détails. Pour commencer là, pour cette théorie qui est important pour nous communiquer à la Subhanahu wa Ta'ala, les guides nous, mais les chemins droits, à la Subhanahu wa Ta'ala, et facilite donc à la Subhanahu wa Ta'ala pardonne-nous et nous continuons avec nous les sens.